Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel. Aujourd'hui, on va s'attaquer à l'extraction d'un personnage très chevelu, qui est ma fille que j'ai pris en photo comme ça sur un lit. Donc, elle a une chevelure qui est très 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 dense. Et c'est ce type de détourage qui sont les plus durs à effectuer. Et grâce aux nouveaux outils de Photoshop CS5, je vais vous montrer donc comment non seulement extraire le personnage donc de la photo de base, et on va l'incorporer sur un fond que vous pouvez un petit peu distinguer en arrière-plan, de façon à créer un composite, voilà, faire croire qu'elle a été prise en photo, elle a été prise en photo avec un fond. Donc bon, l'effet est un petit peu faux, parce que la chevelure, là, elle repose sous les coussins, donc elle est un petit peu dense, mais le but, c'est pas l'esthétisme de la photo finale, c'est surtout de vous montrer comment vous pouvez faire pour détourer des photos complexes. Donc, j'ai deux calques. J'ai un calque avec la photo et j'ai un calque avec l'arrière-plan. Je me mets sur le calque avec la photo et je prends l'outil de détourage qui s'appelle outil sélection rapide. Alors, cet outil-là, il faut bien s'assurer que vous cliquez bien sur le premier icône là, qui est là en haut. Et en utilisant le point-virgule, vous pouvez augmenter la taille de l'outil. Ensuite, il suffit de... Alors, la première chose que je vous conseille de faire quand vous avez quelqu'un comme ça, qui a des contours nets vers le bas et qui a des cheveux comme ça qui sont pas nets, du coup, vers le haut, on va faire le détourage en deux temps. On va d'abord s'occuper des cheveux. Donc, on donne des petits coups de brosse comme ça sur la chevelure pour commencer notre sélection. Et on va sélectionner simplement que les cheveux. Donc... là, vous voyez, la sélection, elle a été sur tout le côté droit, c'est pas grave. Vous appuyez sur la touche Alt et vous essayez de faire une sélection grossière que des cheveux. Voilà, je veux pas sélectionner le bas, donc je désélectionne le bas. Je veux vraiment sélectionner que le contour où il y a les cheveux. Donc, je baisse mon outil, voilà. Donc, quand vous faites rien, vous avez le signe plus, donc vous pouvez peindre votre sélection. Et... si je, par exemple, je peignais là, si j'appuie sur moins, sur Alt, pardon, ça se transforme en moins et je peux enlever de ma sélection. L'idée, c'est de faire une sélection qui est vraiment grossière dans un premier temps. Donc là, voilà, la sélection est grossière. Ensuite, avec toujours l'outil, donc sélection rapide de sélectionner, vous cliquez sur améliorer le contour. Et là, vous arrivez dans cette nouvelle interface extrêmement puissante de Photoshop CS5 qui permet d'améliorer le contour. Alors, ce qui est très sympa, c'est que vous pouvez voir le contour sur un fond blanc, sur un fond noir, sur un fond noir et blanc, sur son calque ou sur le calque d'arrière-plan. Attendez, parce qu'en fait, je vais faire annuler. Je vais mettre la visibilité de ce calque, voilà, et je recommence. Améliorer le contour. Parce que là, voilà, j'ai le choix donc sur du blanc, sur du noir, sur le calque aussi. Donc on va, et sur du noir et blanc, on va passer d'un mode à l'autre pour voir un petit peu qu'est-ce qui donne un meilleur résultat. La première chose à faire, c'est de mettre justement sur le calque lui-même, c'est la touche R, et on va prendre cet outil qui est une brosse. Vous pouvez augmenter l'épaisseur de la brosse là, donc je vais prendre aux alentours de 93, et ça fait des petits traits verts comme ça, et je passe un petit coup de brosse partout sur les contours de ses cheveux pour forcer Photoshop à mieux étudier les contours et essayer de prendre un petit peu tous les petits cheveux qu'il peut y avoir sur le contour de cette photo. Alors voilà, c'est très rapide, hein, vous y allez très grossièrement. Simplement, vous dites à Photoshop merci de regarder dans ce contour-là et de voir s'il n'y a pas des... on appelle ça des zones de transition, s'il n'y a pas des cheveux ou des choses comme ça à récupérer. Voilà, donc là, il ne se passe rien parce qu'on est en mode... on est en mode R, mais par contre, si je mets sur du blanc, vous voyez déjà, il m'a amélioré la sélection. On voit beaucoup plus les cheveux. Alors, sur fond blanc ou sur fond noir, alors voilà, par exemple, j'ai pris le fond noir et blanc pour vous montrer. Donc la sélection commence à être pas mal. Sur fond noir, ça donne quoi? Ça donne ça. Alors vous voyez, il y a des petits éléments qui sont inutiles. Donc même principe avec la touche Alt,
la brosse se transforme en moins et je vais juste passer un petit coup de brosse là-dessus pour enlever ça. Ah ouais, mais là ça m'a fait un truc un peu bizarre. Donc dans ces cas-là, je remets plus sur les cheveux de façon à enlever un petit peu tout ce contour noir qui m'a fait. Je remets sur moins. Voilà, on va aller là-dessus pour voir. Alors quand ça fait des choses bizarres, faut pas hésiter à repasser des coups de brosse là où il y a des trucs bizarres pour qu'ils réinspectent. Voilà. Là, il y a un truc bizarre. Je veux qu'il réinspecte. Parfait. Là aussi. Là aussi. Voilà. Ok. C'est pas trop trop mal comme sélection. Je regarde sur fond blanc. Hein, j'aime assez. Je regarde sur fond noir et blanc. C'est pas mal du tout. Donc, alors pour améliorer un tout petit peu la chose, je vais remettre sur fond blanc par exemple. Ou sur fond noir, et je vais faire un tout petit lissage très léger de ma sélection et un petit contour progressif très léger de ma sélection. Et ensuite, je vais jouer sur décalage de contour vers la droite ou vers la gauche. Regarde ce qui donne le meilleur résultat pour enlever ou remettre des cheveux. Là, je préfère vers la gauche. Voilà, lisse un tout petit. Là, j'ai mis 5 de lissage, 0,7 de contour progressif et j'ai décalé le contour de moins 22%. Ensuite, donc vous voyez, là, quand vous cliquez là-dessus sur afficher le rayon, ça vous montre où est-ce que l'algorithme a été chercher les cheveux, donc c'est à peu près là où je lui ai dit de le faire, et afficher l'original, ça vous montre la sélection, comment elle était à l'origine quand on a commencé. Donc on a quand même grandement amélioré la sélection, mais il nous reste le reste du corps à faire. Donc une fois que vous êtes satisfait de votre sélection, vous faites sortie vers sélection, on veut juste une sélection. Voilà. Et donc là, on a les cheveux qui sont sélectionnés. On est toujours avec l'outil sélection rapide. Et là, je vais sélectionner le reste du corps. Donc je vais sélectionner tout le reste du corps. Voilà. Je m'assure de bien sélectionner l'intérieur. Alors là, il m'a trop sélectionné. Donc j'appuie sur la touche Alt pour enlever le trop de sélection. Voilà. Je veux que ça aille au plus proche du corps. Là, je zoome parce qu'il y a la section qui est entre le corps et le bras. Je reprends, j'appuie sur W pour récupérer mon outil de sélection rapide. Avec la virgule, je baisse ma taille. Tout petit, j'appuie sur Alt et je veux pas qu'il me sélectionne cette partie-là. Donc, je désélectionne la partie entre les bras, entre le bras et le corps. Voilà. Voilà. Je zoome à nouveau en arrière. Donc, maintenant, j'ai combiné la sélection que j'avais au début avec la sélection du corps. Je retourne, j'appuie sur W pour m'assurer que je sois bien sur l'outil sélection rapide. Je reclique sur améliorer le contour. Et là, je fais juste, puisqu'on a quelque chose qui est quand même. Le corps, c'est quand même quelque chose qui est assez net. Je fais un petit rayon dynamique de environ 1 pixel. Ça va m'améliorer légèrement la sélection, vous le voyez à peine sur le moniteur. Ça va m'améliorer à peine la sélection sur les contours. Et voilà, sortie vers sélection, OK. Donc maintenant, il m'a fait, j'ai mon personnage qui est entièrement sélectionné. J'appuie, donc comme la sélection est active, j'appuie sur l'outil masque. Et voilà, mon arrière-plan apparaît. Alors ce que je peux faire, c'est inspecter, mais vous voyez, le résultat est assez sympathique. Je peux appuyer sur la touche Alt et cliquer sur le masque pour voir un petit peu si il n'y a pas d'erreur. Non, mon masque a l'air pas trop mal. Il y a juste là en haut où il y a un truc un peu bizarre dû au fait que la photo était coupée. Vous voyez, là il y a un petit trait. C'est pas grave, je prends une petite brosse noire à 50% d'opacité. Je passe juste un tout petit coup ici. Voilà, pour enlever la sélection là. Je mets ma brosse à 100% et j'efface ce petit trait qui est là. Je corrige mon masque en fait. Donc le masque, c'est tout ce qui est sélectionné est en blanc, tout ce qui n'est pas sélectionné est en noir. Voilà, je veux avoir un truc qui est propre. Donc là, cette technique, malheureusement, fait toujours un petit trait blanc autour de votre sélection, mais c'est pas grave, un petit coup de noir, vous l'enlevez. Voilà, donc j'ai une sélection nickel. Quand vous êtes content, vous appuyez sur Alt pour revenir à la photo. Voilà. Et alors là, il y a peut-être un truc bizarre dans les cheveux. Je zoome, c'est pas grave, je reclique sur l'outil masque, je prends ma brosse. Une brosse que je mets à 22%
d'opacité. Et je vais juste atténuer un petit peu ça, peut-être atténuer un tout petit peu ça. Voilà. Mais bon, l'illusion, la sélection était quand même très difficile. C'était quelque chose qui était quasi impossible à faire dans le temps sur Photoshop, ou alors il fallait vraiment être un expert. Et là, on arrive à faire un truc quand même en 1 ou 2 minutes qui est quand même proche d'un résultat assez professionnel. Du coup, je peux bouger mon personnage où je veux sur la photo. Je vais la mettre par exemple là. Voilà. Alors après, je vais vous montrer 2-3 petites astuces pour créer encore plus l'illusion que le personnage était intégré. Déjà, par exemple, l'arrière-plan est beaucoup trop net. Donc, je clique sur l'arrière-plan, je vais dans Filtre, Atténuation, Flou Gaussien. Je vais faire un petit flou gaussien comme ça léger, voilà, de 5 pixels sur l'arrière-plan. Ensuite, j'essaye de déterminer si mon personnage est trop clair ou trop sombre par rapport au fond. Donc je prends l'outil courbe, je fais une courbe, mais avant d'actionner ma courbe, j'appuie sur la touche Alt entre les deux calques jusqu'à que j'ai cette petite icône. Donc quand vous appuyez sur la touche Alt, qui fait que, et vous cliquez, ce qui fait que l'outil courbe n'aura d'effet que sur la photo qui est juste en dessous, soit mon personnage incrusté. Regardez, si je sombre, j'assombris ou j'éclaircis, ça ne joue pas sur le fond, ça joue que sur mon personnage. Donc je vais la contraster un petit peu plus, peut-être éclaircir un petit peu, assombrir un petit peu, voilà, comme ça, non, voilà, comme ça c'est pas mal. Avant, après. Voilà, parce que du coup ça lui donne plus de saturation, plus de contraste, parce que la photo d'arrière-plan est quand même très saturée, très contrastée. Par contre, ma photo d'arrière-plan, elle est très magenta. Mais c'est pas grave, je me mets entre les deux calques, donc le calque de réglage courbe qui a cette petite flèche, donc qui n'affecte que ce calque-là et ce calque ici. Je me mets sur le calque du milieu et je vais recréer un calque qui s'appelle correction sélective. Attendez, je vais monter ça un petit peu. Voilà, correction sélective. Et vous voyez, correction sélective, du coup, ça a repris la même flèche. C'est-à-dire que ma correction sélective va jouer que sur cette photo. Ensuite, dans les couleurs, je prends les gris. Et là, alors, les gris, c'est quoi? C'est que ces réglages-là vont en fait affecter tous les tons moyens de l'image. Et je veux juste rajouter un tout petit peu de magenta. Voilà, comme ça. Dans mes tons moyens, parce que l'arrière-plan est magenta. Regardez. Avant, après, c'est très léger, j'ai juste rajouté un petit peu de magenta pour toujours donner l'illusion que le personnage a été pris sur cet arrière-plan. On peut voir qu'est-ce que ça donne si on donne du jaune un petit peu. Ouais, le jaune c'est pas mal. Du cyan, non. Voilà, on peut jouer un petit peu comme ça. Juste vous bougez un petit peu les réglages très légèrement de façon à faire correspondre les couleurs un peu mieux entre votre calque d'arrière-plan et votre. Non, là c'est pas trop. J'ai mis trop de jaune là. Enlever le jaune, le cyan, non, je veux juste rajouter un tout petit peu de magenta, voilà, très légèrement. Voilà. Du coup, je trouve que mon personnage est un petit peu trop clair. Donc, je vais baisser un tout petit peu la luminosité, peut-être assombrir un tout petit peu là. Voilà, vous pouvez jouer sur ces deux calques jusqu'à que vous trouviez une tonalité et des couleurs qui vous plaisent. Une fois que ça c'est fait, c'est bien de faire des réglages dits un peu globaux pour donner encore plus d'illusion. Déjà, je vais recadrer un petit peu la photo, je vais lui mettre moins d'espace au-dessus de la tête, comme ça, voilà, par exemple. Je vais recadrer un petit peu comme ça, voilà. Et je vais faire un effet de vignette sur toute la photo pour donner l'illusion. Non, j'aime pas le recadrage, que j'aime pas ce que j'ai fait avec les nuages. Je vais recadrer, j'ai appuyé sur Pomme Z, je vais recadrer peut-être juste comme ça. Ouais, voilà. Et je vais déplacer mon personnage un petit peu plus sur la droite. J'aime pas l'idée de la centrer. Voilà, quelque chose comme ça. Est-ce que je peux la monter? Non, je peux pas la monter. Voilà. Ok, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais. Non, je vais recadrer encore un petit peu. Excusez-moi, je vais enlever encore un petit peu du haut. Voilà, je trouve qu'il y a trop d'espace en haut. Voilà, comme ça. Là, ça me plaît. Ensuite, j'appuie sur Pomme Alt Shift E. Sur Windows, c'est Ctrl Alt Shift E. Pour créer un calque qui reprend tout ce qu'on a fait jusqu'à présent. Ce calque, je le passe en mode produit. Et là, je prends l'outil ellipse de sélection. Je fais une sélection autour de mon personnage. Je vais dans sélection, transformer la sélection. Et je mets vraiment la sélection comme je veux. Ouais, comme ça.
peut-être un petit peu comme ça. Voilà, comme ça. J'appuie sur Enter. Donc là, le mode produit est beaucoup trop fort, mais on va effacer ce qu'il y a dans le cercle. Mais avant d'effacer, il faut faire un contour progressif sur le cercle. Donc je vais dans Sélection, Modifier, Contour progressif, 250 pixels. Une fois, sélectionner, modifier, contour progressif, 250 pixels, deux fois adjugé vendu. Ensuite, j'appuie sur Delete. Voilà. Et là, vous voyez, j'ai fait un effet de vignette sur la photo. Ce qui aide à mélanger un petit peu les deux. Il est un petit peu fort, donc je baisse l'opacité de ce calque pour qu'il soit plus léger. Avant, après. Voilà. On a créé une illusion, on a fait un détourage extrêmement complexe en quelques minutes et on l'a mis sur un autre fond. Et tout ça grâce aux nouveaux outils de Photoshop CS 5. Alors, si vous aimez ce type de tuto, je vous invite à aller sur tuto.com. Je vais vous montrer, j'ai plein de tutoriels sur des photos comme ça, des photos urbaines comme cette vue des toits de Paris, des poses longues sur Notre-Dame, des photos un peu style HDR, un peu style dessin sur le Pont Neuf, les escaliers de Montmartre avec un coucher de soleil assez sympathique. Tout ça, c'est des retouches où j'ai des tutos où je vous apprends comment faire ce type de photos que vous trouvez en tapant mon nom sur tuto.com. J'ai aussi des tutos sur des photos d'intérieur avec des photos d'hôtels comme ça, ou comme ça, ou comme ça, où je vous montre vraiment comment obtenir ce style de retouche, comment vous faites les prises de vue, et vous trouvez tout ça sur tuto.com, ou encore des photos de paysages, comme ce paysage-là, celui-là, qui est une panoramique de Megève, ou voilà, un coucher de soleil par exemple sur Vincennes. Ou carrément des trucs futuristes comme Paris qui a été mis entouré de montagnes. Donc là, c'est carrément créé de toutes pièces. On a totalement triché. Mais voilà, c'est ce type de tuto que vous trouverez. Alors vous trouverez ça en allant sur tuto.com. Là, je suis sur la page d'accueil tuto.com et vous tapez Photo Serge. C'est mon pseudo. Alors pas de S à photo, sinon ça fait deux S. Vous cliquez sur OK et là, vous avez l'ensemble de mes tutoriels. Voilà, j'espère que cette petite astuce va vous aider et que ça vous plaît et j'espère vous voir pour d'autres tutoriels. Je vous remercie et à bientôt.